President, please be seated. The court is now back reprise in session. De l'audience. Line la to hand the parole floor to the defense va être donnée team for à la défense de Kyo Sampan pour interroger l'expert. You may proceed, counsel. Merci, Monsieur le Président. Thank you, Mr. President. Good afternoon, Hinton. Good afternoon, Mr. Hinton. Je vais tout d'abord commencer par dire que je suis antagissé, que je suis co-avocat international de M. Kyo Sampan. J'ai vu au fil de votre interrogatoire que vous êtes très soucieux du protocole, alors je vous dis que vous pouvez vite m'appeler simplement maître. Ce sera peut-être plus simple, plus court, et j'espère que vous ne m'en voudrez pas si je vous appelle simplement M. Hinton. Autre remarque préliminaire, je parle en français et vous êtes traduit de l'anglais, donc je vais vous demander particulièrement de faire attention au débit. J'ai le même problème, mais c'est très important parce qu'il y aura un décalage supplémentaire que vous n'avez peut-être pas vu avec mon confrère et avec M. le coprocureur. Je vais tout d'abord, je vais aussi préciser peut-être en termes de méthode. J'ai compris au cours de votre déposition que vous aviez des moments de frustration parce que tous les documents que nous citons ne vous sont pas communiqués. C'est impossible de le faire. Je vous ai communiqué un certain nombre de documents qui sont peut-être les plus volumineux et parce qu'il y a une question de contexte qui est importante sur les questions que je vais vous poser. Mais je vais être aussi amené à citer des documents que vous n'aurez pas sous les yeux, qui sont des extraits, soit de transcripts, des choses qui sont passées à l'audience. Mais je suis sûr que l'accusation se fera un plaisir de me corriger si je présentais les choses de façon biaisée. Je voudrais d'abord commencer par ce que vous avez déjà évoqué, mais peut-être avoir des précisions là-dessus sur ce qu'est l'approche anthropologique dans le cadre de vos recherches. Pour vous paraphraser, je vais vous demander de me corriger si je me trompe. Vous indiquez que vous avez bien sûr des recherches documentaires, mais que un point important de votre travail est l'immersion dans le sujet que vous allez traiter, et vous avez indiqué que contrairement à d'autres disciplines, vous ne venez pas précisément avec des questions déterminées pour corroborer, pour rechercher par exemple historiquement des faits, mais que c'est la manière dont les choses vous sont racontées et la manière dont les événements ont été ressentis qui est une matière importante de votre travail. Est-ce que j'ai bien compris ce qu'est, évidemment de façon simplifiée, mais l'approche d'anthropologue que vous avez eue dans le cadre de vos recherches? Thank you, Madame, and also I'd like to thank your team for providing the binder of documents, de m'avoir remis ce classeur de documents, as well, which will be helpful, ce qui I think, facilitating the utile process. Et facilitera notre tâche. In response to your question, pour répondre à votre question, I'd like to clarify that une précision. When I went to Cambodia in quand 1992, as a graduate student, en tant qu'étudiant en cours d'obtention at du diplôme, I thought I was going to investigate je local pensais à ce moment-là examiner les conceptions locales de la psychologie, but by the time I came back mais in 1994 au moment de mon arrivée, 1995, en 1994-1995, vu ces conversations dont j'ai parlé avec les familles de Cambodgiens qui se demandaient pourquoi des Khmer avaient tué des Khmer, à ce moment-là, j'avais formulé une question. Et quand je suis venu, je me suis intéressé à diverses questions en privilégiant le régime du Cambodge démocratique avec cette question, pourquoi est-ce que des Khmer ont tué des Khmer? Dans le cadre de ces recherches, j'ai essayé de comprendre l'histoire des événements dans cette région. En plus d'essayer de comprendre les modalités culturelles de la violence également. Vous dites dans cette région, nous parlons bien de la région 41. To the region you are referring to, are you talking of region 41, sector 41? Je vois que vous hochez la tête.
Vous parlez bien de la région 41. Je voudrais revenir sur vos différents voyages au Cambodge pour être complète. J'ai compris que vous étiez venu en 92 une première fois et que vous êtes revenu en 94 et 95. Est-ce que vous pouvez indiquer combien de mois ça fait, parce que je n'ai pas compris si c'était toute l'année 94 et toute l'année 95 que vous avez passé dans la région 41, en dehors de vous un mois à Phnom Penh, ou est-ce que c'était moins de deux ans? Apart from your trips to Phnom Penh, or it was less than 2 years? Thank you, madame, for the question. Merci, maître, pour cette question. Also, just in relationship to my nodding before, I should note that when I came to do my field work quand in je suis venu pour mon travail de terrain en 1994, je suis resté un an, 11 mois environ, passé dans cette région, Kompong Cham, Kompong Sim. Comme je l'ai dit, je vivais à la ville de Kompong Cham et j'allais dans le village en motocyclette. Je faisais aussi un travail ethnographique en interrogeant d'autres gens dans d'autres contextes, puis je suis rentré à Phnom Penh pour y rester une année. Donc, ça a été un an pour la première fois, puis je suis revenu de nombreuses fois. J'aimerais apporter ici une précision quant à la raison pour laquelle j'ai atterri à Kompong Cham. J'ai envisagé d'aller dans le sud-ouest, mais à l'époque, les Khmer Rouges étaient encore actifs. Ils avaient capturé et exécuté des étrangers dans un train. J'ai donc changé le lieu pour aller à Kompong Cham. C'était au sud de la route nationale, village, the Khmer Rouge, it's a long-standing area village, where Khmer Rouge have been, c'était un bastion Khmer Rouge. Il y avait des Khmer Rouges qui étaient encore actifs dans cette zone. Voilà pour répondre de façon détaillée à la question de savoir pourquoi j'en suis arrivé à faire un travail de terrain à Kompong Cham. C'était pas précisément ma question. Alors, je sais que vous avez beaucoup de choses à dire, et que, mais malheureusement, mon temps est compté, donc je vais vous demander autant que faire se peut, de focaliser sur les questions précises que je pose, et voilà, sinon ça va être compliqué. Donc, vous passez du temps à Kampong Cham et ensuite à Phnom Penh. J'ai compris que vous avez pris des cours de langue. À quel moment avez-vous pris des cours de langue et combien de temps? Thank you, madame. Merci, there's an institution called the Southeast Asian Il y a Studies une Institute. Institution, Southeast Asian Studies Institute. J'y ai pris des cours de Khmer avec le niveau de débutant puis niveau intermédiaire. Au début, c'était en 92. Je passais 3 ou 4 mois language, à prendre des cours de langue en tant qu'étudiant. Ça, c'était avant mon arrivée à Kompong Cham. Donc, quand vous arrivez à Kompong Cham, vous avez 3 ou 4 mois de cours de Khmer derrière vous en 1994. C'est bien ce que je dois comprendre. Vous avez pris 3 ou 4 mois de cours de Khmer en 1994. Est-ce correct? Merci, madame. Oui, donc, ce... Institute is run during the summers. Cet institut fonctionne l'été. I believe it was the summer of 1991. C'était l'été 91, peut-être 92, 93. Anyways, I took three summers. Every summer, trois étés, language j'ai pris ces cours de langue. Language C'est training institute. Un centre de formation bien connu, avec un niveau de Khmer débutant, niveau intermédiaire et niveau avancé. Et de votre déposition, j'ai compris également qu'à un moment donné, vous aviez deux assistants de recherche, mais qu'ils ne parlaient pas anglais. C'est ce que j'ai compris de votre déposition. Est-ce que vous pouvez préciser? English. Did I understand your testimony correctly? Thank you, madame. I had two primary research assistants. J'avais deux principaux assistants de recherche. Il y avait une autre personne qui faisait un peu de travail d'assistance à la recherche. Research assistants spoke a little bit of English. Des deux parlaient un peu l'anglais. No English. Les autres ne parlaient pas l'anglais.
Vous avez indiqué qu'après 1994-1995, vous êtes revenu à plusieurs reprises au Cambodge. Après 1995, quelle était la durée la plus longue que vous avez passée au Cambodge? What is the longest stretch of time you spent in Cambodia? Thank you, madame. Because I have children, I've come back for shorter periods of time, Ayant des enfants, je suis revenu pour de courtes périodes, une semaine, deux semaines, tout au plus, trois mois. Et les trois mois en question, est-ce que c'était avant la publication de votre ouvrage ou est-ce que c'était après? Before the publication of your book or thereafter? Thank you, madame. I can't recall off the top of my head. I believe it was probably in the summer of 2000. I'll have to go back and check. It might be on my CV. C'est peut-être dans mon curriculum vitae. J'ai compris de vos réponses aux questions à Monsieur le Président et à mon confrère de l'équipe de Nunchea que vous avez plusieurs sources de documentation et d'informations dans le cadre de votre travail. Mais est-ce que nous sommes d'accord pour dire que l'essentiel des sources que vous avez utilisées dans le cadre de votre ouvrage Wadi Dzekil et le séjour que vous avez passé à Kampong Cham dans la région 41 et que c'est cette source principale, la matière principale de votre travail? The main source that you used for your work, for your research. Thank you, madame. Merci, so maître. Are we speaking specifically of the Parle-t-on research for this book or the broader research pour I've ce taken livre, in ou des general? Recherches plus larges? Non, je parle pour ce livre parce que moi, je vais commencer par vous poser, enfin, je vais être amené à vous poser des questions sur votre ouvrage, sur des choses que vous avez écrites dans cet ouvrage en fonction des éléments que vous aviez à l'époque où vous avez écrit cet ouvrage. Donc, j'ai compris que votre ouvrage a été publié en 2004-2005, je ne sais plus. Donc, je parle de ce que vous avez eu comme élément pour la rédaction de cet ouvrage. Thank you, madame. So yes, the bulk of the information les informations ayant servi au livre proviennent de mes recherches in Kampong Cham and Kampong Siam. À Kampong Cham et Kampong Siam. Je voudrais m'intéresser à la période de trois mois qui est la plus longue au cours de laquelle vous êtes revenu après votre séjour de 1994 et 1995. Est-ce que j'ai pu comprendre de votre ouvrage et de ce que vous avez dit que vous étiez reparti à un moment à Kampong Cham pendant cette période de trois mois? Est-ce que c'est bien exact? Thank you, madame. I believe I may have said in 1992. J'ai peut-être dit que c'était en 1992. Three months. Might have been four. I can't remember exactly. Je suis resté trois mois, peut-être quatre. Je ne sais plus très bien. Ça devait être le semestre d'automne de l'université. Mais j'étais à Phnom Penh à l'époque. C'était pendant la période de PRONUC qui venait de commencer. Alors j'ai peut-être du mal comprendre. Est-ce que après votre séjour de 94 et 95, vous avez fait un séjour au Cambodge plus important que deux semaines? Again, I believe it's on my CV, but I would come back, as I said before, after that. It was from 1995. I came back in 2000, in 2003. And then I started to come more regularly, especially during the course of the Doig trial. Ma question était différente. Ma question était de savoir la durée de vos séjours après 1994-1995, est-ce qu'il y a eu des séjours qui étaient plus longs que deux semaines?
Thank you, madame. As I said, je l'ai I can't dit, give you offhand, but as I said, I would come back sometimes for répondre, a week and a half, 10 days, 2 weeks, something like that. I think on average it might have been 2 weeks we'll try and come for, something like that. As I mentioned before, I believe it's listed, the dates broadly are listed on my CV. Que les dates sont grosso modo signalées dans mon curriculum vitae. Dans ces conditions, est-ce qu'il est exact de dire que votre travail d'immersion que vous avez décrit dans le cadre de vos recherches anthropologiques, concrètement, c'est essentiellement la période 94-95, et que les autres fois où vous êtes venu, même pour assister à des procès, mais vous n'avez pas eu cette même expérience d'immersion ailleurs qu'à Kampong Cham. Est-ce que c'est exact de dire cela? Certainly, madame, it would not be exactly the same. Ce n'était pas la même chose, exactement. I returned to the village. I would Je suis retourné dans le village but once à we got into the period of the Doik trial, mais à l'époque du procès my repeated Doik, trips during that time, à l'époque, I predominantly j'ai fait stayed des in Phnom Penh, though I did make répétés. At least Je suis one, resté maybe two, surtout at least, maybe à Phnom Penh. Two trips out to Kampong j'ai peut-être fait deux voyages vers Kampong Cham. Est-il exact également de dire que, du coup, dans le cadre de vos recherches de ces dernières années, vous n'avez pas revécu la même expérience que vous avez vécue d'immersion qu'à Kampong Cham et dans la région 41? That's, I believe if I understand correctly, that's correct, j'ai bien madame. Compris, je pense que c'est effectivement my research le cas. Projects were different. Mes projets de recherche étaient différents. Je menais une étude sur le procès Doik, sur le tribunal, dans le cas des recherches pour le deuxième ouvrage. C'est un projet très différent. Bien sûr, c'était à nouveau lié au Khmer Rouge, mais c'était des projet de recherche distinct. Un autre point que je voudrais que vous précisiez dans le cadre de vos recherches donc à Kampong Cham précisément, qui ont fait this research, therefore, that, la matière principale de votre ouvrage Wadi Zekil. Est-ce que nous sommes d'accord pour dire, vous l'avez dit à l'audience, mais que quand vous êtes allé dans le cadre de vos recherches, vous ne faisiez pas de recherche spécifique sur les Vietnamiens, ni de recherche spécifique sur les Cham, que ce sont des éléments qui vous ont été donnés au fil des conversations, mais qui n'étaient pas ça le socle de vos recherches? Thank you, madame. You know, merci, I maître. Believe I was aware of the genocide of the Chams at the time. Je pense que j'étais conscient du génocide des Chams à l'époque. And so when people mentioned, et donc, I noted quand it, les gens en parlaient, but I guess je le relevais, I was concerned with mais ce qui m'intéressait, c'était de comprendre l'expérience vécue des gens du village. This was part of their lived experience, cela faisait partie de leur expérience vécue. C'était une chose qu'ils rapportaient, mais je n'ai pas effectué d'études sur le génocide des Chams. Osman has done. Pas comme l'a fait, par exemple, Osman. Vous dites quand, et ce sera peut-être une de mes rares questions sur le sujet, puisque vous avez compris que nous sommes dans le cadre d'une enquête judiciaire et que nous sommes en plein débat sur la question de qualification de génocide au sens juridique du terme. Donc, un point précis sur ce sujet, vous avez indiqué dans le cadre de votre ouvrage, je crois que c'est la note de bas de page 4 de la première partie, où vous expliquez la différence de notion de génocide au sens sociologique ou sciences humaines et au sens juridique. Est-ce que nous sommes d'accord que dans le cadre de vos travaux, vous utilisez la notion au sens sociologique du terme? Thank you, madame. Merci, maître. Not possible to give a
sort of short answer to that question, à cette question. Because again, especially now with someone who's become a genocide scholar, if you look, as I mentioned before, I guess most briefly, perhaps, you know, maybe the I'm closest to the 1946 UN resolution on genocide that was sort of the beginning of what became the 1948 Genocide Convention, in which political groups and other groups were included, the definition that was in accordance with Raphael Lemkin, who founded, who coined the word genocide and who was the advocate who pushed for its ratification in the 1948 Genocide Convention, you know, in terms of, you know, so I'm aware of the UN Genocide Convention. I understand the historical context in which it emerged, but my own understanding of genocide, I think I mentioned at the very beginning, is more in accordance with the 1946 resolution and the original meaning and ideas of Raphael Lemkin. Pour être plus précis sur ce plan, je renvoie à la note de bas de page, de fin d'ouvrage numéro 4, qui se trouve à la page 301 de votre ouvrage, ERN 00431743. Et vous dites, vous parlez de la convention de 48, et vous dites, je vais citer en anglais, je suis désolé. From an anthropological perspective, this definition is highly problematic because it privileges certain social categories, race, ethnicity, religion, and nationality over others. While the marking of social differences is a human universal, the categories into which we parse the world are culturally constructed. Les dans lesquelles nous considérons le monde sont fin de citation. Basées sur des modèles culturels. Fin de citation. J'en reviens donc à ma question précédente. Nous sommes d'accord que l'utilisation du vocable et de la notion génocide, vous le faites, vous la faites dans le cadre de votre vision anthropologique, des recherches que vous avez faites. Vis-à-vis des recherches que vous conduisez. Thank you, madame. Merci, madame. Again, to une fois encore, different layers to it. I'm aware of a number of different definitions. I'm important aware that in a court of law such as this, the UN Genocide Convention is operative. What the categories, the protected groups are, and the meaning of those categories is something that's still discussed. As I said before, with regard, for example, to the national group, what is a national group? There's some debate about that within the field of genocide studies. As for something, anyways, it could be a broader umbrella. So there are different, you know, genocide scholars debate these. As an anthropologist, for myself, the restriction of the protected groups, and again, this is outside of a court of law, but for myself, is ethnocentric, and my view is that if a group of human beings is targeted for destruction because of who they are, et doit être détruit en tant que tel, en raison de leur appartenance à ce groupe, alors cela constitue un génocide. Donc vous maintenez ce que vous avez indiqué dans votre note de bas de page 4 que je viens de citer, à savoir que pour vous, la définition des Nations Unies est problématique. Vous maintenez votre position, c'est toujours votre position. Thank you, madame. Merci, I think that's my position, a position that's acknowledged by many people, even as many as people also recognize that we have a UN Genocide Convention. You know, it's a historic thing to have achieved this, to have it in international law, and to have it as, you know, to have the ability to try people who potentially have committed these acts and to render verdicts. So saying it's highly problematic does not mean that it should be disregarded. I very much acknowledge and recognize the importance of having the UN Genocide Convention and the way that processes unfold to render verdicts about genocide.
Having said that, as an anthropologist, if I were to rewrite it myself, I would go back to the 1946 resolution that was there at the beginning when political groups, class-based groups, quote-unquote, other groups were involved. I apologize. I apologize for interrupting you. Swinton, je suis désolé de vous interrompre, mais c'était une question... Je sais que vous avez beaucoup de choses à dire, mais encore une fois, mon temps est compté. Ma question, c'était, est-ce que vous maintenez ce que vous avez indiqué dans votre note de bas de page 4? Après, j'imagine que vous avez beaucoup d'autres choses à dire, mais malheureusement... But unfortunately, voilà, I don't have that much time, so we cannot spend, unfortunately, the whole afternoon des heures et des heures, talking about this. Échanger sur la question. Je voudrais... So, I would like now... Je vous ai posé des questions tout à l'heure sur les recherches. Vous m'avez confirmé que vous avez entendu des choses sur les Vietnamiens et sur les Cham. Au sujet des Vietnamiens, j'ai noté qu'à l'audience d'hier, vous avez indiqué qu'il n'y avait que très peu de Vietnamiens dans la région 41 et que... les villageois que vous avez pu interroger vous ont mentionné parfois là c'était un peu avant 10h06 et 07 secondes à l'audience d'hier en anglais in English, maybe half a dozen to a dozen mais qu'il n'y avait pas une importante présence de personnes d'origine vietnamienne dans la région dans laquelle vous étiez. Est-ce que j'ai bien compris votre déposition? So, did I understand your testimony properly? Thank you, madame. Merci, maître. I just want to add a point of clarification there are points at which I need to elaborate my understanding of something. I can, as a scholar, give a short, truncated, reductive answer, so there are times when I need to explain what I mean when I use a term. So please indulge me a bit at those moments. I'll do my best to keep on track with the time. But the quick answer to that is that people, based on the lived experience and the narrative, what people said, there were far fewer ethnic Vietnamese living there than there were ethnic Cham. Peu de Vietnamiens qui vivaient dans ce village par rapport aux Cham de souche. Et vous avez expliqué également qu'une partie importante de votre travail, compte tenu de la zone dans laquelle vous étiez, a été ensuite d'effectuer au niveau des recherches documentaires, des recherches sur les confessions du réseau de Khoitoun, si je dois reprendre votre expression. Parce que, là encore, j'ai bien compris votre déposition, le travail de recherche que vous avez effectué sur les purges dans la région 41 est un élément important, un volet important de vos recherches et de votre ouvrage « Why did they kill ?» C'est bien ça? Thank you, madame. Merci, maître. As I've said before, comme je l'ai dit tantôt, I had observed what happened in this area, and I sought to try and work all the way to the upper levels of DK and find out what happened to this person, Goitu, and who people had talked to me about. Of course, I knew about him beforehand. So I went to the archive to find out some about him, but in particular, you know, about this person, Riep, Rasim, who had tried to set off the explosives. And I, in particular, wanted to try and find out, you know, was his confession there? Had he been sent to S21? What had he said? As I mentioned, doing research then took much more time than it does now to get documents like that. So to do research was a prolonged, even to get one confession, to find Riep took, you know, several days. So the bulk of my research in terms of expressing, you know, the lived experience and the basis of this book was based on my interviews with the informants. But then I did go do that documentary research and then later supplemented it with, you know, the enormous secondary literature that exists. And I continued to look in particular at Phoebus broadcasts, which were the most readily available source at that time in the U.S. aux États-Unis.
À propos des émissions Phoebus, ça me permet de rebondir sur un point que vous avez abordé toujours à l'audience d'hier. C'était un petit peu avant 15h49 et 48 secondes. Vous répondiez à un confrère de l'équipe Nouchia et vous dites... vous évoquez des documents, à propos des CHAM, vous parlez de... Alors, je vais vous citer directement en anglais, ça va être plus simple. It might be easier. Vous dites ceci. You said the following. The sources of information in terms of the CHAM. There are the broader ideological pronouncements on things like FBI ACE radio broadcasts. Les émissions, fin de citation. RBIS, end of quote. Radiophonique. Fin de citation. Je voudrais savoir quelles émissions de radio vous parlez à propos des CHAM. Et je vous pose cette question. Parce que nous avons eu encore récemment une audience de documents sur le segment CHAM et vietnamien. Je suis sûr que l'accusation n'aurait pas manqué de le mentionner s'il y en avait. Nous n'avons eu aucune émission relativement à déclarations à l'encontre des CHAM diffusés à la radio. Donc ma question est, est-ce que c'est quelque chose que vous avez vu et où ou est-ce que c'est quelque chose que vous mettiez de façon générale sous un autre vocable? Thank you, madame. I'd have to review the transcript. I don't remember phrasing it quite that way. I know I said that I relied upon Phoebus broadcasts. I don't think I ever explicitly said that I found a Phoebus broadcast that called for the genocide of the Cham. I don't think I said that. I've been tired. It might have slipped by. It could also have been something that came across in the translation. I think I made it clear that the bulk of my findings about the experience of the people in Region 41 and what happened were based on the interviews that I did there. Des personnes à la région 21 et des aveux de S21. Alors pour que ce soit clair, la raison pour laquelle je vous pose la question, c'est que je suis allé vérifier en anglais. Je vous ai cité avec mon broken English peut-être, mais je vous ai cité en anglais le transcrit d'hier. Donc c'est quelque chose qui est sorti à l'audience d'hier, donc c'est peut-être quelque chose qui vous a échappé, mais je voulais avoir cette précision. Donc vous confirmez que vous n'avez vu, rien entendu, ni rien lu à propos des CHAM dans les émissions de radio. Nous sommes d'accord. Is that correct? Thank you, madame. You know, I have no idea because I don't have the transcripts that I can review. So at the time, in terms of specific radio broadcasts that specified the Cham being killed, I did not have that time that I wrote my book. What I possibly could have been referring to is the documentation that I received that I reviewed, possibly. But it's impossible to say without having the transcript from the day you're talking about. It's deacon. You know, the context isn't there, so I can't recall. But I don't think I would have said that when I did my research in 1994-95, I found an explicit radio broadcast that targeted the Cham. And if I had, probably would be cited in the book, wouldn't it? But if the transcript can be provided to me in context, I'd be happy to look it over. Peut m'être remis et en contexte, je peux l'examiner et vous répondre. Alors, peut-être que pour que ce soit bien clair, les transcrits dont je parle, ce sont les transcrits provisoires de ce qui ont été pris par les sténotypistes hier pendant que vous parliez. Et c'est quelque chose qu'on a également entendu entendant parler. Donc, encore une fois, ça peut être une erreur. Donc, il faut, il n'y a pas de souci, je voulais juste avoir cette précision-là et je vous remercie de cette précision. Et merci pour la précision.
Vous, vous avez évoqué votre you travail spoke sur about your work, les archives de S21 et ensuite S21 archives, sur le procès Duc. Là, vraiment, Duc trial, je, encore une fois, je m'intéresse again, like particulièrement à votre ouvrage « Why did they kill ?» Est-ce que, and dans le cadre de votre ouvrage « Why did they kill ?», j'ai bien compris que vous avez interrogé et je reviendrai quelques personnes de S21 et que vous avez également interrogé quelqu'un. Alors ça, je n'ai pas compris, je vous demande de préciser, qui soit travaillait au centre de sécurité de Plumpros ou qui était en lien avec ce centre de sécurité directement. Est-ce que j'ai bien compris? Thank you, madame. Merci, maître. So as the point of clarification, the person who worked at Wapnom Pro Phnom Srai was someone who I interviewed, met, who provided me with a document detailing the history of what had transpired that he had written. So the document, I don't know if I clarified, but it was his written document that he had written to give to me to present the history. And then I interviewed him two or three times. J'en ai parlé two, deux ou trois three, fois. I can't remember. Anyways, he's the person I refer to in relationship to Wapnom Pro Phnom Srai. But the person in terms of S21, there were a few, one person in particular, Laure, who comes out at the beginning of my book, was the one S21 cadre. There was another one. Maybe it was just the two of them who were former. Because, again, at that time, now you can go to Tool Slang Museum, and you have survivors and cadre are coming in, but at that time, they weren't around. So they were difficult to find. Mais à l'époque, ils étaient difficiles à trouver. Person, ils étaient dispersés. Had not been interviewed very extensively at all, par exemple, if at all. Et je ne l'ai pas interrogé en profondeur. Si tant est que je l'ai fait. D'accord, donc si je comprends bien, fine. Vous avez interrogé de façon approfondie, enfin, je peux comprendre que way, dans le cadre de votre travail, well, vous faisiez des différences work, entre les entretiens approfondis et les conversations que vous pouviez avoir had, dans le cadre de votre immersion, dans le cadre de vos recherches. Immersed, donc ma question est de savoir, est-ce que, so avec Laure et l'autre regarding lore, cadre de S21, et je reviendrai sur cette notion de cadre, mais est-ce que, later, nous sommes d'accord, vous avez interrogé deux personnes de S21 et donc une personne qui travaillait au centre de sécurité de Phnom Pros. And including one person who had worked at the Phnom Pro Security Center. That's correct, madame. I don't know of any other... If there are other people alive who had worked at that security center, probably there are, and hopefully the court's been able to find them. Et s'il y en a, peut-être le tribunal pourra le retrouver. Un autre point de précision que je voudrais avoir, à plusieurs reprises, vous avez parlé d'un rapport démographique. Je ne suis pas sûr, en fait, de comprendre, enfin, de savoir à quel document vous faites référence, que vous pouvez préciser ce point. So could you be more specific about that, please? The demographic report that was produced by the court. Le rapport démographique produit par le tribunal. C'est à ce document que je renvoie. Alors, excusez-moi, c'est un rapport démographique qui vous a été fourni par les parties dans le cadre de la préparation de cette audience, ou est-ce que c'est quelque chose que vous aviez avant? Or is this something that you had obtained beforehand? Thank you, madame. I may have downloaded Merci it from maître. The website as one of those declassified documents. I don't remember at this Il point. Il faisait partie des documents déclassifiés, mais je ne m'en souviens plus. Est-ce qu'il s'agit d'un rapport démographique établi par Eva Tabo? Report that was produced by Eva Tabo, does that somehow jog your memory? I would need to go back and review it to know for sure. Je dois aller revérifier pour vous donner une réponse exacte. But it goes through and reviews all the different demographic reports that have been done, including Ben Kiernan's research. Tout le rapport démographique qui a été établi et qui a été utilisé par plusieurs chercheurs, dont Ben Kiernan, et je suis sûr que vous en avez entendu parler.
En fait, ma question, c'était simplement pour savoir, pour être sûr que lorsque vous avez écrit Wadid Zekil, vous n'aviez pas ce document, vous n'avez pas utilisé ce document dans le cadre de vos recherches. Do we agree on that? Yes, that's correct. Oui, c'est exact. Nous sommes d'accord. Une autre précision que je voudrais avoir sur la manière dont vous menez vos entretiens, j'ai compris que vous aviez un protocole universitaire pour garantir l'anonymat des personnes que vous interrogiez. Ma question est de savoir, est-ce que lorsque vous interrogez des personnes quand vous êtes en interaction sur des entretiens approfondis, est-ce que vous pouvez utiliser dans le cadre de votre protocole les informations pour aller interroger une autre personne en disant cette personne m'a dit ceci sur vous? Est-ce que c'est quelque chose que vous faites dans le cadre de votre recherche ou c'est quelque chose qui n'est pas, qui est prohibé ou que vous ne pouvez pas faire dans le cadre de votre matière? Thank you, madame. Yes, that's not something that would be done. Oui, ce n'est pas une procédure acceptable ni acceptée. Je vous pose ces questions sur la méthodologie parce que c'est quelque chose qui est important pour nous. Au contraire, dans le cadre d'une enquête judiciaire, les recoupements d'informations, les éventuelles contradictions entre les uns et les autres, c'est quelque chose qui est le cœur de notre travail. Donc, c'est important de savoir que dans le cadre de vos recherches, c'est quelque chose qui est prohibé. Je vous remercie de cette précision. Vous avez évoqué, je crois que c'était avec monsieur le coprocureur, la notion concentration d'un groupe en un lieu déterminé, en disant que ça pouvait participer, ça facilitait le contrôle de ce groupe, et que c'était quelque chose que, dans le cadre de crimes de masse, que c'était quelque chose qui revenait fréquemment. Est-ce que j'ai bien compris votre déposition? Est-ce que cette notion de concentration en un seul lieu d'un groupe correspond bien à cette étape ou ce passage que vous voyez dans les crimes de masse? Thank you, madame. I prefer to perhaps stick within the terms of my book, talking about the reorganization of difference, of which one modality of it is concentrating people, but it's part of a larger process. Mais cela fait partie d'un processus plus large. Alors, justement, je voudrais vous poser cette question en rapport avec les CHAM, par exemple. Nous avons entendu devant cette chambre des dépositions de témoins, nous avons eu des documents en main, des déclarations disant que, à un moment, à l'inverse de la concentration, en fait, on a dispersé. Dans le cadre de différents déplacements de population qui ont eu lieu à différents moments du Kampuchea démocratique. Mais nous avons, et là je vais prendre par exemple une déclaration de Man Sen, document E3/5205, non, vous ne l'avez pas dans votre classeur. C'est un extrait que je vais vous lire. Vous n'avez pas tout, comme je vous l'indiquais au départ, c'est pas possible. Et il évoque sa participation à un mouvement de rébellion. Et il explique
Et ça, c'est à l'URN en français, 00-293-922. URN en Khmer, 00-221-1-8-50. Et URN en anglais, 00-27-5164. Il parle de son interrogatoire et on lui pose la question suivante. His interview and the following question was put to him. Avez-vous été victime de mauvais traitements ou de torture au moment de l'interrogatoire? Et il répond, je n'ai subi aucune torture. I was not tortured. On m'a questionné pour rechercher le responsable de la rébellion et les travailleurs de l'ancienne société. Les villageois qu'on a emmenés en premier étaient les blessés, puis les familles de renom et les riches. Alors, c'est pas plus tard, c'est dans le cadre d'un autre entretien, cette fois-ci. Document E3-7-6-7-5. ERN en français 00-293-924. ERN en anglais 00-221-8-5-8. Et non, excusez-moi, je me suis trompée de RN. C'est l'URN. Je recommence en français. 00-293-926. ERN en anglais. 00-22-1859. Et je pense qu'il n'y a pas de Khmer. Il parle de sa sortie de détention, et il dit 20 jours après, later, les Khmers Rouges nous ont permis de revoir nos femmes et nos enfants. J'ai revu ma femme au monastère de Kangchak. On a pu vivre ensemble pendant environ 10 jours avant que les Khmers Rouges ne déportent ma famille et d'autres au nombre de 200 familles à peu près hors de cet endroit. Et il indique par la suite que parmi les 200 familles, 100 d'entre elles ont été transportées en direction du district de Damber. Et donc, ils devaient quitter leur district d'origine. Donc, ma question savoir si vous avez évoqué les rébellions. Nous avons un exemple d'un témoin qui explique qu'il a participé à une rébellion, qu'il a fait un temps de détention. Mais qu'ensuite, il a été transféré ailleurs avec sa famille. Donc, ma question est de savoir comment est-ce que vous inscrivez ce déplacement de population transfer en dehors, à des endroits différents, qui viendra plutôt à l'inverse de la concentration, en un seul lieu pour contradict this notion of concentration in one single place. It's more like scattering. Très brièvement, je me demande si maître, vous pouvez donner une date pour que l'espère puisse savoir quand ces activités étaient menées. Il n'y a pas de souci, c'était après les rébellions de Krochmar, donc c'était quelque part en 1975. Thank you, madame. Merci, so yes, maître. That's why when you asked before, quand vous m'avez posé was a singular modality concentration, s'il y avait une modalité unique, la concentration, j'avais répondu que je préférais parler en termes de réorganisation de la différence. Modality, la concentration en étant une modalité, tandis qu'il y avait d'autres systèmes de discipline, de réglementation, y compris les données qui sont consignées sur l'historique, le passé des gens, y compris les données ethniques, dans les registres, par exemple, dont on prenait deux copies. Ça, c'est un exemple de méthode de contrôle. C'était fréquent durant ce régime.
j'ai compris que c'était une des modalités. En fait, ma question, c'était de savoir, par rapport à ce cas particulier du district de Krochmar et du fait que des groupes de Cham ont été, comme d'autres membres d'ailleurs de la population, mais déplacés à d'autres endroits, est-ce que cela n'est pas à l'encontre de cette... J'ai bien compris que ce n'est pas la seule modalité, mais est-ce que ça ne va pas à l'encontre de justement ce point de concentration pour mieux contrôler? Thank you, Madame. Merci, maître. Again, no, it does not. Encore une fois. So again, this is one modality, and as I've stressed before, you need c'est to look une at modalité, temporal comme je l'ai dit, and spatial variation. Les variations temporelles et spatiales. I brought up the term cumulative radicalization as well in relationship to the Cham case, pour évoquer le cas in contrast Cham, to the ethnic Vietnamese case, which seem to be somewhat different, souche, where over time you sort of have a plan temps, A, a plan B, and a plan C. A plan a, in this case, B, it seems that after the rebellions, eventually Chams began to be targeted because they were Chams. Initially, there was awareness of who they were. On savait qui ils but étaient. Again, et with, je le répète, other groups, comme c'est le cas pour d'autres groupes, il y a la possibilité d'exercer leur conscience, mais au bout du compte, ils ont été considérés comme peu susceptibles de le faire, et pour cette raison, ils ont commencé à disparaître en nombre de plus en plus grand. C'est illustré par l'expérience des Chams à Kampong Siem, région 41. Il y a un exemple d'une tentative systématique de les emmener, puis les exécuter en fonction de leur identité. Et ce n'est pas fondé seulement sur les documents utilisés pour mon ouvrage, ça se retrouve aussi dans des documents provenant de gens qui travaillaient à Kampong Siem, et aussi des interviews qui ont eu lieu et qui confirment les détails de ce que je livre dans mon ouvrage. Enfin, dans le cas, je vais terminer par là, parce que je vois qu'il est 4 heures. Dans le cas du précis que je viens de citer, c'est effectivement une personne de fin 75 qui était à la tête d'une rébellion et qui a été envoyée ailleurs, a travaillé avec d'autres Khmer. Et là, si vous voulez, on est loin de la concentration et du contrôle, puisque l'idée, c'était à ce moment-là qu'ils aillent vivre avec d'autres Khmer. Donc, ma question, c'est... j'ai bien compris que ce n'était pas la seule, le seul moyen de contrôle, mais là, on a un contre-exemple de contrôle dans le cadre d'une concentration du groupe Cham, et au contraire, une intégration à la population Khmer. Je voulais savoir si ça attirait des réactions particulières sur cet exemple précis. Any particular reaction from you as regards this specific example I've just given? Thank you, Madame. Merci, maître. Also, I'd like to ask if you will be referring to the documents I was provided with tomorrow, so if I should review them as a second demain point of clarification. Vous allez évoquer les documents que vous m'avez remis pour voir si je dois les consulter. Which is why at the very beginning I said the reorganization de la différence. J'ai dit qu'il y avait différentes modalités de contrôle disciplinaire. Une modalité peut en être la concentration, mais l'élément crucial, c'est celui du contrôle de la réglementation des personnes qui ont été marquées comme étant différentes, ce qui accroît la probabilité que ces gens soient pris pour cible puis exécutés, comme cela a été le cas dans le district de Kampong Siem, où leurs noms étaient inscrits dans les registres et où chacun savait exactement qui était Cham, raison pour laquelle ils étaient emmenés. Donc la concentration, c'est une modalité, mais il y en a d'autres, y compris l'archivage des noms. Je n'insisterai pas plus aujourd'hui, et oui, je vous confirme que il y aura des questions sur yes, les documents. I do confirm that there are questions. J'ai mis pour certains des endroits particuliers sur lesquels je voudrais revenir, mais évidemment, oui, il y aura like des questions demain à ce sujet. Return to, and I will have more questions on that tomorrow. President, thank you. Le président. And thank you, merci, Mr. Expert, et merci, again. Monsieur l'expert, encore une fois. It is now convenient time le moment for the adjournment. Est venu de lever the chamber cette audience. Will resume its hearing tomorrow. Les débats reprendront demain, 17 mars 2016, from 9 o'clock. À 9 heures du matin. The hearing tomorrow
We continue to hear the testimony of Mr. Expert Hinton. De l'expert, thank Mr. you, Hinton. Mr. Expert. Monsieur the hearing expert, of your testimony as an expert today has not yet concluded. You are therefore invited to vous come back tomorrow at 9 a.m. De court officer, in collaboration with VISU, please make necessary transport arrangements to send him to his accommodation and invite him back to the courtroom tomorrow at 9 a.m. Security personnel are instructed to bring Khieu Somphone and Don Chia back to the detention facility and have them returned to the courtroom tomorrow morning before 9 a.m. The court now is adjourned. L'audience est levée.